Le frangin, Fred. Alors, tu m'expliques? Ça, c'est, tu m'as dit, c'est pas pour toi, c'est pas débutant, ça. C'est déjà un mec affirmé qui. Ça, c'est un modèle effectivement pour quelqu'un qui va avoir un bon niveau ou du moins qui va vouloir se faire plaisir en nageant. C'est un modèle qui va être très souple, bah, d'où le nom de la combinaison qui s'appelle donc la V-Flex. Modèle très flexible qui a des spécificités. Donc elle est tout en Yamamoto, donc c'est Ouais. Le le néoprène, géoprène, le néoprène, ouais. ouais, le géoprène, normalement, à base de roche calcaire. Voilà, exactement. Et donc dans les gros points forts de la combinaison, donc il y a un géoprène sur le ventre, donc où à l'intérieur il y a des petites bulles d'air, ce qui fait un aspect un peu peau d'orange, on va dire, Vulgaire. vulgairement. Donc ça, c'est toutes les bulles d'air donc qui vont être placées sur le devant du ventre pour vraiment Importance. voilà, exactement. Pour Donc moins d'efforts pour se maintenir dans l'eau et Exactement, plus ouais. d'efforts pour la nage. Ouais, c'est Flottabilité ça. accrue et Accrue. et flottabilité équilibrée, c'est-à-dire être bien à plat sur l'eau, ça c'est vraiment important. Une combinaison néoprène en triathlon doit porter le triathlète, mais doit surtout bien le laisser à plat. Donc il faut faire attention à l'équilibre et à la composition des matériaux et l'épaisseur des matériaux pour respecter en fait avoir un nageur bien à plat sur l'eau. Bien horizontal. Voilà. Pas avoir les pieds trop haut derrière Ou ou trop être trop bas, trop bas, enfoncé parce que et avoir une bonne assiette. Voilà, d'accord. exactement. Donc, et là, tu me disais que aussi bien en bas que sur Alors sur les les avant-bras avant-bras. et sur les tibias, vous avez des pièces en polyuréthane de densité 1. Donc densité 1, c'est-à-dire que c'est neutre dans l'eau, ça va ni flotter ni Ni, couler, d'accord. exactement. Donc ça ne va pas vous gêner dans votre nage. C'est des pièces qui ont été dessinées en 3D et qui vont améliorer en fait la propulsion. Donc il y a une amélioration de la propulsion au niveau des battements sur les tibias et au niveau des avant-bras sur la prise d'eau, une amélioration de la prise d'eau. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation internationale de l'équipement qui autorise 5 mm d'épaisseur pour une combinaison néoprène. Donc nous, on a utilisé Maxi. maximum. Donc nous, on a utilisé voilà, Le maxi. toute l'amplitude qu'on avait dans cette réglementation, donc de 5 mm. Donc là, on a un néoprène qui sert de base, qui fait 1,5. Et Ok. cette pièce en polyuréthane par-dessus fait 3,5 mm. Donc on est dans les 5 mm autorisés par l'ITU. C'est une pièce en polyuréthane, mais qui reste souple. Voilà, donc il n'y a pas de risque de De blessure, blessures exactement. ou de rigidité. Voilà, ou de rigidité, ça s'enlève facilement. Ok. Voilà. Donc Néanmoins, ça permet. ça pénalise pas la transition. Non, pas du tout. Par Hein. contre, on va avoir une puissance dans l'eau phénoménale. Donc ça, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est une combinaison qui s'adresse plutôt à des nageurs, parce qu'il faut déjà avoir Un bon niveau. un bon niveau, il faut avoir Voire un un bon très bon cycle. niveau. Oui, après, comme le disait Frédéric, l'avantage de cette combinaison, c'est qu'elle est hyper souple. On la sent pas. Donc C'est une seconde au pot, voilà, même un second nageur skin, niveau quoi. débutant, il va pas avoir de restriction de liberté au niveau des Il épaules. va pas se sentir engoncé Voilà, et exactement. prisonnier, quoi. Donc c'est un modèle qui est super intéressant, après qui reste assez Assez onéreux. Tu as touristique. un ordre de Exactement. prix, c'est. 750 euros. D'accord. Voilà, donc c'est une combinaison pour les Disons que. passionnés de triathlon. Voilà, c'est pas une combinaison qu'il faut acheter, sauf pour se faire plaisir, mais si on pratique une fois par an, comme ça, Non, c'est mais il faut. un nageur régulier, quoi. Exactement. Alors nous, vraiment, notre conseil pour les gens qui feraient un seul triathlon à l'année, c'est d'essayer de louer la combinaison. Nous, sur tous les événements auxquels ZéroD participe, donc dans les villages expo, on offre la possibilité de louer nos combinaisons. Ça va être vraiment le meilleur moyen de Ah ouais. nager avec une combinaison qui est d'une bonne Qui est souple. qualité. Souple, de ne pas dépenser trop d'argent dans sa pratique sportive. Exactement. Alors nous, vraiment, notre conseil pour les gens qui feraient un seul triathlon à l'année, c'est d'essayer de louer la combinaison. Nous, sur tous les événements auxquels ZéroD participe, donc dans les villages expo, on offre la possibilité de louer nos combinaisons. Ça va être vraiment le meilleur moyen de Ah ouais. nager avec une combinaison qui est d'une bonne Qui est souple. qualité. Souple, de ne pas dépenser trop d'argent dans sa pratique sportive. Pour l'Ironman de Nice. Exactement, ben à Exactement. Nice, on aura un parc de 50 combinaisons, donc on pourra louer, y a tous les modèles. Et Et pour parce que prendre ça à la dernière minute, ça risque de changer un peu dans le mental du mec. Est-ce que par exemple, il pourrait l'essayer avant?
On peut essayer la combinaison avant. Alors nous ensuite 0D, on est partenaire officiel de l'Ironman Nice sur la partie natation. Donc tous les matins de 7h à 9h sur la plage et sur le parcours officiel de l'Ironman Nice, il y aura la possibilité de tester gratuitement toutes les combinaisons 0D. On demande simplement une pièce d'identité. Donc les gens peuvent venir essayer notre combinaison. Et ensuite, donc le jour d'avant. Les jours précèdent la course. Et le jour à partir course, du jeudi. Ouais. Et le jour de la course, il y a la possibilité de louer la combinaison. Pour un ordre d'idée de prix de la location. Ça commence à partir de 25€ sur le modèle entrée de gamme. Ok, et pour un modèle comme ça, tarif de location s'étale de 25€ pour le modèle entrée de gamme qui est le modèle Atlante, jusqu'à 60€ sur le modèle V-Flex. Pour moi, aujourd'hui, débutant, j'ai testé à nager en eau de mer quand elle est un peu fraîche, c'est pas désagréable, en combi de surf géoprène d'ailleurs de Matuse, avec manches courtes, etc. Je suis un débutant, mais en piscine, j'avance à peu près correctement. Dès que je me mets en mer avec cette combi, donc qu'est-ce que ça peut m'apporter, ce genre de combi? Alors pour les débutants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une combinaison de triathlon, une combinaison néoprène de triathlon ne répond pas aux mêmes besoins qu'une combinaison néoprène pour les surfeurs, bien entendu. Ce que va apporter une combinaison néoprène pour le triathlon, c'est un maximum de flexibilité au niveau des épaules et des bras. Ce qu'on veut en triathlon, c'est être protégé du froid, ça c'est le point numéro 1. C'est avoir une bonne flottabilité, ça c'est le point numéro 2. Mais peut-être ce qui va être le plus important, c'est d'avoir une grande liberté de mouvement, une grande aisance au niveau des épaules et des bras. Donc nous, sur nos combinaisons, on a un patron qui est assez unique. En fait, vous allez avoir une pièce de néoprène du poignet gauche jusqu'au poignet droit. Donc c'est une pièce qui fait, une seule pièce. Voilà, qui fait quasiment 1m50 d'envergure, même peut-être 1m60 selon les tailles. Et donc on a une réduction du nombre de coutures. Donc de points de friction, mais aussi ce sont les coutures qui vont ôter de l'élasticité au néoprène. Donc on a un patron qui est spécifique pour avoir la meilleure flexibilité possible, même sans avoir les meilleurs néoprènes en provenance du Japon, qui sont les plus flexibles. Et puis il y a une autre spécificité, c'est que nous en triathlon, on doit avoir des temps de transition les plus courts possibles. Donc nos combinaisons néoprènes et les combinaisons pour le triathlon d'une façon générale, elles sont étudiées pour être enlevées le plus rapidement possible. Donc quand vous allez sortir de l'eau, vous allez attraper votre zip. Nous on a un zip inversé, ce qui va vous permettre de zipper vers le haut. Voilà, vous allez dézipper vers le haut et en même temps vous allez dégrafer le... Elle se ferme par le bas, d'accord, remonter. Et en tirant, vous allez commencer déjà à enlever l'épaule. Ok. En tirant jusqu'au bout de votre cordelette. Et vous allez pouvoir enlever votre combinaison pour un athlète un petit peu entraîné en 2-3 secondes. C'est fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une transition super courte, donc c'est dans une optique de performance. Mais je pense que même en étant débutant, dans une optique vraiment de se faire plaisir, pouvoir nager comme on nage en piscine, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Assez fun. Ouais, voilà, exactement. Et c'est ce qu'on va peut-être pas avoir avec une combinaison de surf. Non, après, une donnée qui est intéressante, c'est que plus son niveau de natation est faible, et plus grand sera le gain avec une combinaison néoprène pour le triathlon. Parce qu'un nageur qui est débutant, en fait, va pas avoir une très bonne position dans l'eau. Il est un petit peu enfoncé dans l'eau, alors qu'un très bon nageur va déjà être bien placé avec une résistance frontale moindre. Donc en fait, les combinaisons néoprènes avantagent plutôt les mauvais nageurs que les bons nageurs. Et ça va être un gain, pour un nageur débutant, ça va être un gain de l'ordre de 3 secondes au 100 mètres. Donc ne serait-ce que sur un 1500 mètres, ça va être tout de suite 45 secondes. Je dis pas de... Voilà, c'est ça, 45 secondes. Donc, sans effort supplémentaire. Sans effort supplémentaire. Ah oui, donc tu me disais, quand tu fais un triathlon, tu sors... Tu enlèves déjà donc en courant. En courant, j'enlève l'eau de la combinaison. Je me rends à ma place au parc à vélo. J'ai déjà donc ma tenue dessous. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma U-suit. Donc je suis prêt à partir faire le vélo. Je vais enlever ma combinaison. J'ai peut-être aussi directement ma ceinture porte-dossard avec mon dossard dans le dos pour éviter de perdre un peu de temps pour l'enlever. Et puis après, il me suffit d'enlever donc la combinaison. Pendant ce temps-là, avec mes mains qui sont libres, parce que je vais les enlever avec le pied, je peux mettre le casque. Donc je mets le casque, les lunettes de soleil, peut-être la montre si je n'avais pas mise avant.
Et puis après, je range ma combinaison à côté de mon vélo. C'est montre ou cardio que vous utilisez, vous? Ça va dépendre des personnes. Ça dépend des athlètes. Mais perso, moi, j'utilise parce que je surveille quand même un peu, tu vois, parce que le papy, il n'a pas envie de se faire un arrêt cardiaque tout de suite. Je suis en train de tester le Polar, le